Quatre gamers passionnés. Emeric, Kevin, Thierry, Mehdi. Filmé 24 heures sur 24 pendant toute une demi-journée. Quatre caméras, deux techniciens, 30 mètres carrés loi Carrez. À la fin de l'expérience, il n'en restera plus qu'un. Même un jardin et tout. Truc de ouf, la chambre. Oh. Avec toutes les consoles, tout ça. Vous m'entendez là ou pas? Oh. Oh ouais. À bouffer. Oh hey. Hey. C'est ici le loft, c'est ça? C'est ici le loft, voilà. Donc tu peux appeler ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a la gaming room. Ouais. Qu'on peut aussi appeler le gamer's lair ou la play session salle, salon. Ouais, la zone. Tu peux, ouais, la zone. C'est ça. C'est là voilà. Où tu vas gagner sur Smash Bros, c'est ça? C'est là où tu vas. C'est là où je vais te piquer ta coupe à Smash Bros. Alors, tu peux tout de suite oublier. Ta coupe. Donc, enfin, celle-là, c'est celle de Jonathan, il me semble. Non, c'est effectivement la mienne. C'est la tienne, d'accord. Ouais, Jonathan a participé. Donc, je vais pouvoir, à hauteur de 10% peut-être dans. Ok. Parce qu'on était en équipe, mais. Je vais pouvoir boire ton sang dans ta propre coupe après t'avoir éclaté à Smash Bros. Tu frappes, t'es poli. Salut. Salut. Ah, vous venez ensemble. Vous vous connaissiez avant en fait? Ouais, bah. Marrant. On fait partie de la même On fait partie de la même équipe. Je croyais qu'on était censé jouer avec les meilleurs de la Redac. C'est comment la sélection était faite. Exactement. Et tout c'est un concours. T'as conscience que tout ça est enregistré et filmé, donc les gens pourront revoir ce que t'as dit au début, au moment où elle a. Et faire un parallèle avec tes performances. Ouais. Oui, oui, pareil. Tu sais, pareil, tout ce que tu rajoutes là sur la vanne, ça va se retourner contre toi plus tard, tu sais. Ou ça va ajouter, les gens diront putain, il le savait dès le début qu'il allait gagner. Comment fait-il? Bon, alors c'est quoi cette histoire là? On a combien de consoles? Je sais que j'ai gagné, le reste, j'ai pas eu. Alors, restez pas debout quand vous êtes là. Il faut pas rester debout dans cette salle. Ouais, c'est, ouais. C'est une des règles. Non, je regardais, c'est une des règles. Visite. Est-ce que l'eau est chaude ou. Bah, ça va pour la saison, je trouve que ça va. Je trouve que ça va, le petit coin piscine. Non, c'est bien, c'est super bien aménagé, je trouve. Ouais. Je trouve qu'il y a une belle coupe ici, je sais pas si on la voit bien. T'as même le. Ah non, c'est la coupe Smash. Bien sûr, c'est la coupe Smash. Ok. La Smash 4. Je vois le style. Il y a pas mon nom, mais c'est tout comme. T'as même le téléphone hein, pour appeler les proches parce qu'on va quand même rester enfermé un certain temps. Ouais, ouais, truc, c'est okay. Ça. C'est que, ouais, je pense que j'aurai des petits coups de fil à passer. Ouais, ouais. Ouais, juste pour. Si vous voulez, ouais, des gens vous remontent le moral un petit ouais, peu. Ouais, je pense que c'est important. Quand t'es isolé. C'est important vraiment d'avoir tes proches au téléphone c'est pour ça. Un petit peu savoir qu'on te soutient que dehors. la vie continue et que les gens. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais. C'est ça, mais vous venez pourquoi exactement? C'est pour la compétition ou c'est pour l'aventure? Moi, dès le départ, j'ai dit de toute manière, je suis un joueur. Dès le départ, moi, je viens jouer. Voilà, je suis un joueur. T'es un joueur, t'es là pour le jeu? Moi, je suis là pour le jeu. Maintenant. Moi, je suis venu parce qu'écoute, on est vendredi et que le vendredi, on vient bosser. je suis venu pour ça. Je suis venu parce qu'on bosse à nos lives, quoi. On est à nos lives. Bon, moi, l'idée, c'est un peu de vous marcher dessus. Ouais. Donc, on va voir, ça dépend de la sélection de jeu. Je sais pas comment la sélection a été faite exactement. Eh ben, chacun a amené son jeu, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. T'as amené un jeu auquel t'es plutôt favori. Bah, je crois que c'est à peu près la même chose pour tout le monde, non? Ouais. La coupe, elle correspond au jeu que t'as amené non, ou pas du je tout? Je crois que sur toute la liste, parce
puisqu'on s'est mis évidemment tous d'accord sur toute la liste, je crois que je suis celui qui est un petit peu pénalisé parce que... Non mais ah ouais bah, vas-y, oui. Non attends ça fait 10 minutes pas... ça, il cherche les excuses. Non, non mais c'est des excuses. Non, je dis tout de suite déjà veillons à pas spoiler toute la liste des jeux parce que ça va être Ah mais bien sûr. Non, non. Mais voilà, moi il y a moins de jeux sur lesquels moi il y a un jeu sur lequel effectivement bon, vous regardez vos chaussures. Le reste, c'est pas vraiment mon domaine. C'est marrant, parce que ouais, je pensais que t'arriverais plus avec l'angle de « moi j'arrive avantagé parce que je suis fort aux jeux vidéo ». Non mais c'est pour ça que je participe, parce que j'ai ma chance, parce que je suis extrêmement fort aux jeux vidéo. Maintenant… C'est-à-dire que quelque part, ça se fait déjà caca dessus, quoi, parce que c'est dommage. Non, tout ce que je dis, c'est qui vivra verra. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit parfois. Qui jouera verra, voilà. Bon, je veux juste prendre en main un petit peu. Ouais. Prendre en main vite fait. Vous allez dans la gaming room ? On va dans le exact dans la salle des défis. Putain, vous êtes vraiment des gros geeks. Tiens, on vient à peine d'arriver, ça joue déjà aux jeux vidéo, sérieusement. Bah, non, mais fais autre chose si tu veux. Bah, je vais peut-être aller chiller un peu dans la piscine. Bah, va chiller dans la piscine. Mais non, mais si vous apprenez à jouer, moi je vais apprendre à jouer. Il veut s'entraîner lui aussi. Attends, j'ai jamais joué à ce jeu. Qui a choisi le jeu ? Qui sait comment lancer le jeu ? Qui est la première manette ? C'est toi, Thierry ! D'accord. Tu fais start en haut à droite. Ça commence bien. Vous savez, vous connaissez les contrôles au moins des touches ? Non, bien sûr que non. Bah, dis-nous pendant qu'on joue. Fais-nous un tuto. Déjà, faut savoir qui est où. Ouh là là, on garde les mêmes manettes. Hein. Ah ouais. Ah non, mais je voulais choisir les. 1080p 60 images par seconde. Oh, c'est extrême! J'ai toujours pas capté où j'étais en fait. Ah, je suis Comment en bas. On ouvre une porte? Mais c'est foutu, on va jouer à ça? Il y a quelqu'un dans mon écran, je sais pas comment. Ou ça? Viens, je te montre comment on fait, comment on tire. Et pourquoi moi j'ai pas de gun? Combine. Mais on commence sans gun, je crois, non? On commence sans gun, effectivement. D'accord, et pour ouvrir les portes, tu fais comment? Bouton vert. Sérieusement, on sait. Oh, c'est injouable. Ça va être chaud. Oh là là. Qui a choisi ce jeu ? Le strafe, il est là, sérieusement. Mais non, le strafe, c'est vraiment là qu'ils l'ont mis. C'est ça le truc. Mais non, mais j'ai pas d'arme là, faut arrêter. J'ai essayé d'ouvrir une porte, elle s'est refermée. Mais pourquoi je suis mort ? Parce que j'ai un Golden Gun et. Ouais, d'accord. Tu sais comment ça se passe avec le Golden Gun ? T'as jamais fêté que des soirées. Dis-nous où tu le trouves, le Golden Gun. Il est hors de question que j'ai tout le monde contre. Ah si. Et sinon, pour tirer, c'est... Enfin, je crois qu'il y a plusieurs spots, et dont un, en fait, dans les toilettes, du début comme dans le film. Moi, je suis dans un couloir, je sais pas comment sortir. D'accord, alors. Donc moi, j'ai vu comment ça marchait, j'ai vu que ça m'intéressait pas. Je vais vous laisser... Là, en fait, tu retournes sur tes pas. Tu retournes sur tes pas. Là, je comprends pas. Moi, j'aimerais bien un gun. Ah, voilà. Je crois que je vais avoir un gun, là. Voilà. Et comment tu fais pour le sortir, le gun, maintenant? Ah. Tu changes d'arme avec ça. Voilà. Ok. Et c'était. Pour... Ouais, pour tirer. C'est un classique ce jeu. Non, sérieusement. Je vais tellement mourir. Est-ce que tu dirais que c'est le pire jeu de tous les temps, Mehdi? Pourquoi tu me dis ça? Non. Est-ce que si on me demandait c'est quoi le jeu qui a le moins d'intérêt de tous les temps, tu dirais celui-là direct, sur un plateau de télé? Non. D'accord. Je pense pas. Il essaye de te griller. Hein. On nous a convoqué. Ça vous dirait de resserrer un peu les poufs? Vas-y. C'est bon là? Il faut se resserrer un petit peu. Non, on n'est pas très bien. Donc, non. T'arrives pas! Vas-y, c'est vrai, parce que je me fais tirer. Attends, il faut combien de balles? Complètement. Ah bah. Ouais. Ça fait 10 minutes que je tire dessus, j'arrivais pas à le tuer. Ouais. Tac. Bon, c'est pas gagné pour celui-là. Ouais, moi je me fais tirer dessus. Ok, quand j'ai le dos tourné, littéralement. C'est hallucinant. Mais ça, c'est du FPS, hein. J'ai putain de chargeur. Mais c'est un fusil à pompe. On dirait Pulp Fiction. Non! C'est-à-dire que concrètement, je viens de vider deux chargeurs. Sur James Bond, est-ce qu'il y a des personnages qui ont plus de vie que d'autres? Pas dans les souvenirs. D'accord. Et tu peux faire du stealth kill, tu vois, t'arrives derrière, un petit coup de couteau. Oh là là. C'est sans Golden Gun, hein. Alors, le Golden Gun. Il y a des jeux qui vieillissent bien, puis il y a les autres. C'est ça. Alors, vraiment. Cherchez les excuses. Ok, bon, j'ai vu comment on jouait. Moi, j'ai vu que ça m'intéressait absolument pas. Donc, je vais pas me faire de points sur ce jeu, mais c'est pas grave.
Putain, mais ils perdent tous perdants. Je préfère, tu vois, prendre des forces. Moi, j'ai rien dit. T'as raison. Et pourtant. Alors. Ah, t'es où là? Non, non, je suis malade. J'ai une petite arme pour toi. Je suis en train de t'entraîner et tout ça. C'était cool dans ce genre de jeu, c'était en train de faire la stratégie. Où sont les potes? Ah, ok, d'accord. C'est clair. Je vois où t'es. Non, bah, tu vois mon écran. Je savais, mais c'est pas pour ton jeu. Et dans les chiens, il y a le golden gun. Ne bouge pas, ne bouge pas. Surtout, bouge pas parce que j'ai qu'une balle. Par contre, apparemment, il y a un participant mystère, ça, je sais. Là, maintenant, il faut pas de bouger. Attends, on m'avait pas mis. D'accord, ça, c'est le golden gun. Et du coup, tu l'as trouvé où? En fait, si t'étais dessus, je crois que tu l'as même. Tu as mon écran, et il me semble qu'il se trouve ici. Un petit verre. T'as pas beaucoup de balles, en fait, genre, le désavantage du Golden Gun. Tu veux boire quelque chose? Je te sers un truc? Ouais, s'il te plaît, ouais. Ouais. Pareil que toi. Pareil que moi? Ouais, ok. Alors. C'est une prise de risque. Mais tu, lorsque tu as le Golden Gun, tu peux pas avoir une autre arme. T'as pas la si, si, tu, si, tu peux. Si, tu peux. C'est juste que tu dois changer ensuite, tu dois changer d'arme en arme ensuite. Mais quand tu as le Golden Gun, effectivement, il faut que tu utilises le Golden Gun. Parce que si tu arrives à choper le mec comme ça. Et tu peux regarder. Et voilà. Ok. Ah la vache, ça a quand même sacrément vieilli. Et ça, c'est vraiment un jeu qui ressort de temps en temps. Ouais. Disons, les Touaregs, ils boivent du thé chaud. Alors qu'il fait chaud déjà dans le désert. Toi, comment ça se fait? Pourquoi il porte du noir? Écoute, ça me fait penser à un épisode d'Olivier Tom. Olivier Tom, pardon. Olivier Tom. Ouais. Où tous, à l'habitant, ils avaient un soda. Sauf Bruce Harper. Ouais. À qui Sadaron. Celui qui avait une voix dégueulasse. Bruce Harper, oui. Il avait une voix dégueulasse. Et Sadaron, elle lui avait amené du thé. D'accord. Et il était vénère parce qu'il voyait tout. Ouais. Ted Carter. Enfin, ouais, ouais, ouais. Tu vois, ils avaient des sodas. Et ouais. Ils disaient, ah putain, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop frais tout ce qui est. C'était la canicule. Je sais plus contre qui il jouait, mais c'était la canicule. Et Bruce Harper, il lui avait du thé chaud et Sadaron, il disait, mais si, parce que ça te. Ça t'hydrate mieux. L'esprit. Ah non, ouais, d'accord. Ça t'hydrate mieux. Mais genre, c'est vrai, tu sais. Ouais. Genre pour de vrai. Alors que quand tu bois un truc trop froid, quand il fait trop chaud, mais finalement ton corps il aime pas. Réaction, il augmente sa température, du coup c'est pas. Ah ouais. Tu vois. Et à partir de là, du coup, la deuxième. Tiens, je vais essayer. Ouais. Complètement, c'est pas agréable. D'accord. 6, 6, 1, 0, 1. Non mais là c'était juste de l'entraînement, ça comptait absolument pas. Hein. Non mais en fait la technique d'Emeric, c'est que c'est le seul à savoir où se trouve le Golden Gun. Mais oui, non mais c'est ça. Bah, mais on va pas jouer dans ce mode là. On va jouer une balle à mort, c'est-à-dire que mon karaté chop, normalement, il aurait dû te tuer. Ton karaté chop. Un karaté chop, ça tue n'importe qui. Ça tue, c'est le coup qui tue. Ouais. Et vous, il fait pas tout, hein. Mais non. Ah bah. il faut que ça dure toute la journée, hein. Bah ouais, bah... Toute la semaine. Toute la semaine. Toute la semaine. Il faut que tu prennes cette manette et que t'appuies. Enfin, toute la semaine pendant quoi 5-6 heures, en tout cas. À gauche, tac. Au moins. Au moins. Et start là. Il faut noter les noms sur les verres. La télé-réalité, je suppose. Faut noter. Ah non, noter les noms sur les verres parce que sinon après la vaisselle c'est dégueulasse. Donc, merci. Il faut savoir quand même que lorsque ce jeu est sorti, ouais. Donc GoldenEye, il y a quand même eu une sorte de switch, c'est-à-dire qu'il y avait les FPS sur console, c'est les FPS des rigolos, ouais. Et les FPS sur PC. Ouais. Ouais. Donc GoldenEye, ça constitue un petit peu le switch. Ensuite, il y a eu Halo derrière, ouais. Mais où de plus en plus de gens ont pu apprécier le FPS sur console. Mais moi, à l'époque, en 97. Lorsque tout le monde jouait à GoldenEye, moi je jouais à des vrais FPS. Je jouais à du Duke Nukem 3D à Shadow Warrior. D'accord, ok. Donc, voilà. Ensuite, c'est vrai que celui-là a vachement marqué, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont joué. Mais bah, je trouve qu'au niveau des sensations, toi, tu ressors du Duke Nukem 3D aujourd'hui, il marche toujours aussi bien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est alors que celui-là. Un petit temps d'adaptation. Non, mais il a vieilli, honnêtement, il a vieilli bizarrement. Ouais. N'importe quoi, je dis ça parce que vous avez perdu. On l'a même pas encore joué, pourquoi tu dis qu'on a perdu? Il a vieilli bizarrement comme ses stars finalement, tu vois. Qui c'est ça, comme Michael et Culkin. C'est trop tôt. Attends, juste parce que moi je m'appelle Jason en fait. Tu t'appelles Jason? J'ai décidé, okay, ouais. Ah, parce qu'on marque nos noms sur les gobelets pour pas se les piquer. Voilà. Ouais, dans un cadre de télé-réalité, je m'appelle Jason. Ah, Jazz? Jazz on. Ah, bah oui, mais tu sais, toujours c'est. Toujours c'est. Je peux pas trouver, putain. Toujours ces noms un peu bizarres, tu vois, de télé-réalité. Ouais, bien sûr. Ces prénoms qui te prêtent. Enfin, j'aurais pu laisser Kevin, en fait. Oui, c'est vrai. Ça aurait marché aussi. Un nom un petit peu multiculti. Et du coup, Emeric, est-ce que c'était ton premier FPS, GoldenEye, ou tu avais joué à d'autres trucs avant? Alors, mon premier FPS, non, parce que c'était Wolfenstein 3D sur PC. Ok. Ouais, c'était mon premier FPS, mais je flippais, il me faisait flipper ce jeu, Wolfenstein 3D. Même les nazis,
Ah, c'est flippant, ça me faisait peur. Bah, quand t'as 4 ans, que t'as un 5 comme ça, on donne un 5, il était pas 18 plus ce jeu, enfin, ça existe. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Oh, il y avait, si, il y avait déjà des recommandations. C'était pas le Peggy, mais il y en avait déjà. Mais effectivement, enfin, je crois qu'il y avait des interdictions dans certains pays. En Allemagne, par exemple, pour jouer à Doom, Doom 2, c'était très compliqué. J'imagine que Wolf, c'était la même chose. Ouais. Peut-être mais pas de... Sinon, en France, je me rappelle pas qu'il y avait de trucs particuliers. Parce que je me souviens des anciens trucs, tu vois, par exemple, sur ma boîte de Duke Nukem 3D. Ouais. Qui est plus récent, mais t'avais un. C'était un moins 16 dans un triangle jaune. Ah, et c'était une version FR, hein, je crois. D'accord. Et c'était, tu vois, des anciennes signalétiques, mais ouais. Il me semble qu'on avait ça quand même déjà. Ok. Je crois. Mais c'était pas encore le pays, effectivement. Enfin, je crois pas. Et toi, Médoc, du coup, ton premier FPS, c'était Ouais, ça se trouve pour nous tous, ça va être Wolf 3D, en fait. C'était Wolf 3D, ouais. C'était ça. Et j'avais pas peur, j'avais la gerbe. Moi j'étais déjà plus vieux dans Wolf 3D, donc j'ai trouvé ça très impressionnant. Au bout d'un moment, tu sais, c'est comme The Descent ou d'autres FPS qui m'ont fait ça, au bout d'un moment, ça donne mal à la tête. J'ai nausée et j'ai la gerbe. Descent, je peux comprendre, mais ensuite Wolf, ça restait quand même. Je sais bien, mais je sais pas, c'était mon premier FPS, donc effectivement, j'étais jeune aussi. Wolf 3D, j'avais. J'étais jeune. Mes parents avaient attention à moi, tout ça, mais je. Mais j'étais jeune, j'avais plus Et c'est marrant, quand tu ressors la Nintendo 64, t'as aussi la perception du flou. À l'époque, on s'en rendait pas plus compte que ça, on trouvait ça super beau, etc. Mais quand tu le ressors aujourd'hui, tu ressors la console, sur tous les jeux, t'as un effet de flou qui est extrêmement prononcé, qui est impressionnant. Mais il y a aussi un effet, sur tous les jeux de Nintendo 64, t'as un effet de manette dégueulasse aussi. Non, la manette, systématiquement. Ah, moi, j'arrive pas à cette manette. Je préfère la manette GameCube, mais la manette, elle est cool. C'est à 1000%. Ouais, t'as l'impression. La manette 64, elle est trop bien. Ouais, mais non, et bah, même non. Plusieurs façons de la tenir en fonction des jeux, avec la croix sur le côté, le joystick. Oui, justement, non. Bah ouais, non, mais ça, c'était l'idée qu'on se faisait du futur dans les années 90. Tu sais, t'as plusieurs manières de faire un truc avec un seul objet. Non, donne-moi une manière de tenir ma manette, tu vois. Non, c'était pas bien. C'est pas grave. Déjà, il y a des clans qui se forment, tu vois. Déjà des clans et tout. Non, mais ouais, c'est. Et aussi, parce que là, j'ai revu donc les images. Moi, à l'époque, je trouvais que Ned Stark, je ne sais plus comment il s'appelle, Sean Bean. Sean Bean. Non, je trouvais, putain, il est bien fait. Oui, là, je regarde, oh là là. Maintenant, c'est un peu, c'est en fait, quand tu réfléchis, c'est des personnes Minecraft. Mais non, ouais, c'est complètement ça, c'est dégueulasse. Mais à l'époque, je me disais, putain, dis donc, ah non, je le reconnais. Oh, je sais que je vais prendre. Donc c'est marrant ta perception de quand t'es petit, vraiment tu vois. Et pour le coup, vous allez voir ensuite, bon, et c'est pas un secret, mais à un moment donné, dans la semaine, on va jouer à Super Bomberman. Ouais. Et ça a vraiment pas vieilli. Et on retombe sur le même débat avec la 2D et la 3D. Ouais. Donc les jeux en 2D vieillissent beaucoup mieux que les jeux en 3D. Ouais, ouais, parce que les 3D, la 3D a évolué de façon dramatique ces dernières années. Et donc du coup, là, ça fait un peu mal à la tête, quoi. Ouais. Ouais. Tu prenais Sean Bean, toi, sur GoldenEye avant? Ouais. Moi, je prenais Hélicoptère Pilote. Je sais pas si tu vois, en fait, je trouvais qu'il avait trop la classe. C'était Hélicoptère Pilote, le pilote hélicoptère avec son casque. Mais j'étais super bête parce qu'en fait, c'est une plus grosse hitbox. Ouais. Et tu pouvais te prendre des shots beaucoup plus. C'est lui que tu vas prendre là? Bah non. Bah coup, si, non, en référence. En référence au passé quand même. Est-ce que ça changera quelque chose si vous barrez au bout de 2 minutes dans la piscine? D'accord. Ok. Et ça, en fait, je pense que c'était potentiellement un tacle. Ah ben ça, non, mais en fait, ça, c'était... En fait, il a dit qu'il va t'éliminer en 2 minutes. Non, je vais te dire exactement toi, personnellement, et il va te renvoyer à la piscine. Tu veux que je te dise ce qu'il a dit concrètement? Il a dit, bah, liguez-vous tous contre moi. C'est ça que moi, pour moi, c'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends. Si tu prends le pilote hélicoptère, peut-être que tu as une chance, du coup. Voilà, alors voilà notre deal. Tu prends le pilote d'hélicoptère et on te laisse tranquille. Liguez-vous contre moi. En sachant qu'on joue... Vous vous souvenez pourquoi tout le monde sait pourquoi on joue là pour le la titre première, de la première partie. Non, la partie à tous les uns contre les autres. Ouais. Ouais. Celui qui gagne, il choisit qui il affronte en premier c'est ça. À la manche d'après. Ah d'accord, cool. Et la manche d'après, c'est sur un jeu, mais ça sera du duel et c'est là où on va marquer des points. Ah, et c'est là. Sur tennis, c'est ça là. Ouais. Là, c'est juste pour choisir en fait. Exactement. On n'a pas de points à gagner. Non. Ouais, t'as un avantage à gagner parce que tu sais. On a changé les règles genre, à ce moment-là. On a changé les règles pendant que t'étais pas on là. On a changé les règles pendant qu'on les écrivait. Pendant, avec un huissier de justice. Tout simplement. Voilà. Deux, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Mais non, et puis surtout, non, mais gagner. C'est mettre Splinter. C'est vrai. Gagner, bah, c'est que non seulement tu as le droit de choisir la personne que tu vas affronter, mais en plus, je veux dire, tu es le meilleur au jeu vidéo. Voilà, tu gagnes une certaine forme de respect. Ok.
Enfin, oui. sur GoldenEye, tu gagnes beaucoup de respect ou... Bah, non, je sais pas. Tu gagnes un ou deux points de respect, après, bon, tu les dépenses comme tu veux. C'est ça. Voilà. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il faut que tu shootes les mecs genre pendant 10 minutes. Genre, pour qu'ils, Mais il n'y a pas un mode une balle à mort. Si. Mais si, c'est une stock kill. Ouais. Il y a aussi la gestion des dégâts. Si t'inclines ton stick un peu plus. Moi, je préfère du stock kill. Ouais, c'est mieux. Ça fait carrément plus mal. Okay. Si tu vises le bras, évidemment, le mec. Non, mais c'est pas avec le stick du coup que tu vises, c'est avec les boutons. C'est avec 4 touches en même, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je préfère du stock kill, ça privilégie la précision, la chance. Ouais. Et en plus, c'est bizarre parce que du coup, dans ce mode-là, là, on a fait avec les petits essais, on commence sans arme. Mmh. Ouais. Il faut déjà trouver l'arme. Mais on met de la télé, on peut mettre de la télé. Ouais, mais c'est-à-dire, tu vois, sans arme, c'est-à-dire, voilà l'espion. Je me mets un peu dans la piscine. Non, mais vas-y, profite. Voilà l'espion qui part en mission sans arme. Ouais. C'est-à-dire, c'est James Bond, il y a Q, il va voir Q, il fait t'as 2-3 gadgets, il fait non. Vas-y, c'est n'importe quoi, c'est pas réaliste. Bah non, mais t'as déjà... C'est pareil, moi ce qui me gêne en jeu, c'est qu'il est pas réaliste. Ah, je suis assez d'accord. Ouais. Mais rien qu'au niveau des visages. Non, mais c'est vrai. Regarde, ouais, Battlefield 4, il est beaucoup plus réaliste. Pourquoi t'as pas choisi Battlefield 4? Ah, moi je sais pas jouer à Battlefield 4. Mais parce qu'en local, on peut pas jouer. On a été bête. Tout est dit. Parce que j'ai choisi le jeu auquel je savais jouer. Ouais, bah oui. Ouais. Ah non, mais lui, il est là pour gagner. Non, de toute manière, j'ai rien. Il est là pour gagner. Moi, je suis là pour le côté historique. Je pensais que c'était pour le côté historique, moi. Bah, tu ressors GoldenEye, c'est pour instruire un petit peu la jeunesse, etc. Bah, oui, ouais, et pour avoir un maximum de vote des téléspectateurs. Ouais, c'est ça. Moi, à la base, on a choisi GoldenEye parce qu'il y a Jonathan, il nous a dit « Ouais, je l'ai ». Voilà. Bon, après, toi, c'est historique. Tu vois, chacun sait. Nous, c'est parce que c'était pratique, quoi. Et sinon, on commence à jouer quand exactement? On devrait pas tarder, bah, quand vous êtes chaud. C'est quand on aura. Et quand on nous donne le signal. Normalement, voilà, c'est ça. Il y a le maître des jeux qui changera beaucoup de fois de nom. Ouais, je pense. Au fil de l'aventure, qui nous donne le signal pour aller commencer le défi. Ah, ah. Serait-ce le signal pour. Oui, dans ces cas-là, on regarde en haut. Parce qu'en télé-réalité, on regarde toujours en haut. Ouais, comme ça. Ils entendent, des trucs qui viennent d'en haut, donc comme des caves, ils regardent en haut. Comme nous, quoi. C'est ce qu'on vient de faire. Bah, c'est ça, exactement. Ok, donc première épreuve. Ok. Donc j'ai la manette jaune. Moi j'ai la manette grise. T'as l'officielle. T'as la première. La première officielle. T'as... Il faut que je tienne ma manette comme ça. Eh, hey, Emric, on lit. Mais nous on. Licence to kill. Ouais. C'est pas moi la première manette. Alors, licence to kill, c'est weapons ou non, scénario. Je crois pas. Je crois que c'est scénario. C'est... Scénario. Ouais, je crois. C'est scénario. Ouais. Ok. Donc là, je choisis. Attends deux secondes avant de lancer. Voilà, License to Kill. License to Kill. Non, raté. Ah, c'est pour... Dans les menus, Thierry, t'as du mal à viser. Ouais. Ça va être chaud. Ça annonce rien de bon pour la suite. Tu peux changer les personnages, que je prenne les. Bien sûr, characters. Alors, characters. Alors, pas de haut job. Alors, va falloir. Par contre, là, c'est la vraie partie, donc va falloir. Ah, je vais prendre Miskin. Tu vas prendre les skins. Non, moi, je vais prendre Joe's. Ouais, mais oui, là, il y en a plein qui sont issus des anciens. Elle était dans Dangereusement Vôtre. Ah, d'accord, ok. J'ai la tête de moi, je vais prendre Joe's. Bah, vas-y. Bah, mais en plus, comme tu dis, ça ressemble à ton prénom. Ouais. Miskin, c'était qui, ça, déjà? Miskin, c'est le pauvre. C'est un pauvre. Bah, ouais. Moi, je le prends pour ça, en tout cas. Miskin. Mais après, je sais plus, je sais pas d'où il vient du tout. Weapons, pistols, ouais, on est d'accord? Ouais. Mais ça veut dire qu'on les a dès le début ou faut les trouver? Mais il n'y a que des pistols. D'accord, vas-y. Vous êtes ready? Pour tirer, c'est quoi? C'est ça là? Derrière. Oh, allez, ah non, arrête. C'est ça. Non, mais je sais. Oh, pour tirer, c'est quel bouton? Sans déconner. Je vais te faire la même. Tu t'es entraîné juste avant. Je vais te faire pareil sur Street 4. C'est quoi pour frapper? C'est parti. Ah, je suis en train de spoiler. Allez, bonne chance à tout le monde. Attends, on est où? Ah oui, je suis. Ok. Alors, c'est-à-dire que le ATMI, il tue aussi dans les sensibilités. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un au chien? Putain, j'en vois un qui a déjà une arme, ça m'énerve. Mais pareil. Enfin, je le vois aussi, je veux dire. Pourquoi vous énervez, là? Je sais pas si le body armor sert à quelque chose en ce moment. Je suis pas sûr. Ah merde. Moi, je tiens à préciser que je n'ai toujours pas d'arme. Bah ouais, mais les mecs, après c'est marrant. T'as du mal à faire la différence entre les portes et les murs. Ah. Oh, j'ai du mal à faire la différence entre le strafe et le reste.
renard qui est pas loin. Ah oh, putain, mais moi je suis encerclé, j'ai pas d'armes, je sais pas quoi faire. Je suis le seul à pas avoir d'armes. Oh putain, y'a un renard, y'a un renard. Allez. Oh putain. Enfoiré. Oh non, je suis super loin là. Ah oh, putain. Attends. Ah, oh, je vais te mettre un Atemi, je te jure que je vais te mettre cet Atemi. Atemise-le. Oh. Tu l'as déjà. Ah putain, mais attends, mais je t'ai tourné autour mille ans. Attends, mais quand est-ce que... Ah, on peut respawner et tout? Ouais. C'est pas... Non. Pourquoi je vois strictement personne, je suis dans la même ah, partie. Ah, il y a du score à la fin, quoi, c'est ça. Il y a du score à la fin. Oh, rusé. Oh, c'est dégueulasse, j'avais tiré avant. Pas tiré dans la porte. C'est... J'ai tiré dans la porte. Bon. T'es trop grand. C'est dommage, j'avais une arme. C'est... Oh là là, c'est nul. Mais putain, mais c'est où nul. Vous êtes là? Attends, attends. Moi qui suis fan du 60 FPS, je suis servi. Ouais, j'ai vu... Pourquoi j'ai vu écrit Cougar Magnum? C'est oui, parce que sur c'est... J'appuie sur quoi? Ah. Ah bah ouais, merci les mecs. Allez, merci, pas, c'est pas gentil. Aller à la piscine tout à l'heure. Non, 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 non. Oh quoi? Oh, oh oui. Oh. T'as fait du kill streak. Oh, kill streak. Oh. Ça sert à rien les pare-balles, on est d'accord. Allez, la porte, ouvre-toi. Non, non, c'est pas vrai. Oh, je l'ai on tué. S'est tués ensemble. C'est beau, oh, c'est beau. C'est beau. Mais non, j'apparais un moment où il n'y a non, pas non. d'armes. Non, 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 c'est... C'est... Oh, il y a un connard derrière sa porte. Hein. Suis... D'accord, donc j'ai l'impression d'être ce connard. Ah, attends, attends, attends. Je suis en mode Atemi. S'il y a une arme, suffisamment, je pouvais la prendre. Non, c'est une body armor. Donc il ne sert strictement à rien. Pourquoi j'ai que des armes? Ça fait vraiment mal à la tête, hein, ce jeu, je trouve. Tu peux la gérer. Je joue pas très bien ma partie. Mais je m'en fous de Magnum Bullet. Ah, ça c'est bon. Ils attendaient vraiment de nous à ce qu'on arrive à viser et tout, tout en... On peut pas se déplacer en visant, c'est ça? Mais non. Peut-être. Ah bah non, dans le dos. Qui m'a tiré dans le dos, là? C'est Emery. C'est peut-être moi. Je sais pas. D'où? C'est qui m'a tué? C'est peut-être moi. Ah mais tu... D'accord, vraiment, tu sais pas du d'accord. tout. Tu sais, d'accord, ok. Je okay, m'en donnais une manette, j'ai essayé d'avancer. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Je suis pas responsable. Enfin, responsable, mais pas du tout. Le truc, Emeric, c'est que t'es nouveau à la rédac. Ouais. En tant que permanent. Et ça aurait été bien que tu sympathises avec des gens. Je suis carrément mauvais, je suis mauvais. Attends, mais j'ai... Comment on touche les gens? J'ai tiré une heure. J'ai tiré une heure, j'ai pas touché le mec. Oh, oh, oh oui. Non, oh non, 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 je viens de respawner, t'as pas droit de me tuer. De je viens de respawner. Je viens de respawner. Ah, je viens de respawner. Ah, j'atémise, j'atémise. Ah, bah. Ça se fait pas, je venais de respawner, putain. Mais ouais, mais gars, la vie. Oh là là. La vie, elle est dure. Je me débrouille pour être tout le temps tout seul. Mais t'es où Thierry? Je suis dans un couloir là. Heureusement que je vais gagner au jeu pour lesquels ça compte. Pff. Mais non mais attends, mais les Atemi, on peut toucher des gens avec un Atemi ou pas? Ouais mais faut vraiment le mettre sur la nuque. Oh, oh attends, mais oh, t'es tout petit atémisé. En fait en prenant Jaws, il faut que je baisse ma vue, sinon je peux toucher atémisé. Personne. Atémisé. Il reste une minute les gars, il reste une minute. Hey, oh, non, non, mais 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 non, bah non. Bah non, ouais, tu vois. Et il reste une minute, les gars. Body armor, mais je m'en fous. Par contre, j'avais un flingue, je ne sais pas depuis quand j'avais. Mais j'ai l'impression que je m'en sors mieux en Atemi qu'avec un flingue. Non, c'est... ah, Emery, tu me fous les nerfs. Je suis un enfant du karaté. Eh, hey, buté, Emery, qui est Thierry, t'es en bas à gauche ou pas? C'est trop tard, mec. Non, non, viens, c'est trop tard, c'est trop tard. Je viens jouer avec nous, Thierry. Enfin, non, je suis en haut à gauche. Allez, mais allez, ouvre-toi, là. Chétan. Putain de... J'y comprends rien au radar, hein, par contre.
Ouais, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'être devant les gens. Parce que tu, il se peut que tu sois juste au-dessus ou en dessous de lui. Ah ouais, bah oui, mais forcément aussi. C'est bon Thierry, t'as retrouvé le chemin vers les autres. J'ai pas d'armes. Ok. Eh, hey, troisième, je suis même... Oh là là, ça va. Bah, moi, c'était une galère. Putain, le ratio... Attends, qui... en haut à gauche, c'est qui? C'est Emric. Non. Ah, j'étais en haut en gauche. Non, je me suis trompé d'écran. Ah, j'ai joué à un autre écran pendant toute la partie. Ah, putain, on recommence. Allez, on recommence l'année prochaine. Là. Tu me fous les nerfs, Emric, bon. J'étais pas loin. J'étais donc, pas loin. Emric, qu'est-ce qui se passe là? C'est moi de, c'est moi de choisir. Que... Là, t'es premier, tu choisiras contre qui tu te bats en premier pour le mini tournoi du jeu du prochain jeu. Ok. C'était tout nu. J'ai passé mon temps à essayer d'ouvrir des portes, donc c'était assez frustrant dans un FPS. Non, mais c'est vrai que même pour ouvrir les portes, c'est pas facile. Mais je t'appuie sur un bouton. Non, mais ouais, là, elle s'ouvre pas entièrement. Parce que donc tu spammes le bouton, et donc du coup, tu l'ouvres et tu la fermes à chaque fois. Bah ouais, mais c'est idiot. C'est bah idiot. Non, c'est normal, tu t'appuies sur un bouton, action ouvrir, action fermer. Effectivement. C'est idiot, t'as plus plein de fois, elle devrait s'ouvrir plus vite. Oh, je sais pas. Non, mais... Moi je trouve que visuellement pour les téléspectateurs c'est pas très gentil. On est quand même à l'heure de la HD et ouais. On fout du GoldenEye tout flou. Non mais il y en a plein qui ont kiffé. Non c'est vrai, mais je charrie, mais bon. C'est juste on a séché personne dans les toilettes quoi, c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas eu de l'escarmouche dans les toilettes? Il n'y a plus eu d'escarmouche dans les toilettes. Si à un moment donné je suis monté comme ça, j'ai tiré, j'ai dit oui. Ouais. Et puis, je sais pas ce qui se passe. Moi je me suis battu avec des portes dans les toilettes. Ouais, bon, ouais. On peut considérer que c'est une escarmouche. C'est vrai. Ah, c'est... Non. On est d'accord que je suis le seul à avoir tué quelqu'un avec un Atemi. J'ai pas vu ça du tout. Hein. Non, mais sans déconner. Moi j'avais Jaws, et donc du coup, toi t'étais petit, t'arrivais là, donc je shootais, et je shootais au-dessus. Ah, t'as mis un Atemi dans le. Mais ouais, mais c'est parce que j'ai pris un perso trop grand, donc du coup, il fallait que je vise en bas. Et pour viser en bas, c'est compliqué, c'est. Enfin bon. C'est spécial. C'était David contre Goliath. Il y a un peu de ça, ouais. Ah, ok, bon, bah ok, très bien. Très bien. Manière, le prochain jeu, Emric, a priori. Ça t'a. Ouais. C'est pas à mon avantage. Non, mais c'est le tennis, ça. Ouais, c'est le avantage de tout le monde. Ça, c'est cool. Au vrai tennis, moi, je suis le plus fort de vous tous. Au vrai tennis. Mais à top speed. Au faux tennis, je sais pas du tout. Et donc là, il a été au confessionnal. J'ai l'impression. D'accord. Ouais. J'ai l'impression c'est direct, ouais. Il va baver. Ouais, j'ai l'impression que le mec va baver ouais, direct. C'est clair, ouais. C'est clair. De toute façon, on va y aller aussi. Hein. Mm. Je pense qu'il faut un peu livrer nos impressions. Notre ressenti. Mm. C'est ça. Mais là, on peut en profiter pendant qu'il n'est pas là aussi pour faire des alliances. On peut faire des alliances ou pendant qu'il n'est pas là, on peut surtout s'entraîner. Oh, manette Donkey Kong. Pas tout à fait. En fait, c'est un autocollant Donkey Kong. C'était un truc qui était fourni avec un magazine, je sais plus lequel exactement à l'époque. Ah oui, putain, mais c'est bien. Ouais. C'était le grand truc à un moment donné, ça, d'avoir ces customisations de. Tout à fait, avec les magazines, t'avais plein de conneries. Ça a disparu, ça, maintenant. Mais c'était bien, parce que tu pouvais personnaliser un petit peu comme tu voulais. Ouais. Donc, qui est où, là? Que je sache un petit peu. Ok. Je ne sais même pas les touches. Hein. Putain, ouais, c'est un jeu de tennis, hein, donc du coup, là, c'est pas GoldenEye. Hein. Bien. Ok, bien. Ah, oh, la double faute. Et la double faute, ça n'existe pas chez moi. Oh putain, mais voilà. Tu m'as porté la poisse. Une Gaël, mon fils, comme on appelle ça. Ah, okay. Voilà. Enfin, il aurait fallu que ce soit sur un point important, on aurait pu appeler ça une Gaël, mon fils. Ah oui, ça joue à la sécurité. Ça risque d'être pas mal. On peut voir. On peut voir vos boxers, donc attention. Merci. Et puis, oh, ça c'est moins grave. D'accord, ok. Ça va être très marrant. Moi je vais aller me confesser. Me confesser. Je vais me confesser aussi. Hein. Ok. Alors, aucun échange depuis tout à l'heure. Ah, il y a un mec qui essaie de grimper. Ouais. En fait, d'après mes souvenirs, t'as aussi un oiseau qui passe de temps en temps. C'est quoi les touches? Ben, on est en train de découvrir. Ouais. On est en train de découvrir. Ouh là, je l'ai pris un peu dans les bijoux de famille. Vous avez réussi quand même. Il y en a un qui envoie une balle, l'autre qui envoie la balle là. On n'a pas réussi. Non, pas encore. Faire un seul échange depuis. Mais est-ce que tous les boutons marchent? Bien ouais, sûr. Ouais, ça marche, mais tu peux faire des lobes et des trucs comme ça et j'arrive pas encore à saisir ce qui correspond à quoi. Au top spin.
Mais vous avez pas fait un échange là, là non. Non, pas encore. D'accord, ok, ça fait 20 secondes qu'on joue. Bah, tu sais, c'est le tennis moderne. Hein. Ouais, bien sûr. C'est l'efficacité, tu vois. Ah, mais c'est toujours sur le service. Un service, un point. C'est pas mal. Ok, je suis chaud. 1-2. Okay. Eh ben voilà, là, vous arrivez à faire des échanges, là, quand même. Non. Thierry, t'as regardé si on pouvait régler les jeux, les sacs et tout. Ouh, bien joué. Ah bah non. Out. Hein, t'as regardé? Ouais, tu peux régler les 7. D'accord. Je suis pas sûr que tu puisses régler le nombre de jeux. Je vois même pas où je... Non, c'est complètement de la triche. Il a réussi à grimper, le mec. C'est complètement de la triche. Qu'est-ce que j'ai fait? On voit même... Je vois même pas mon personnage. Bah c'est normal. Bah monte-le. Bah oui, mais je peux pas parce qu'il faut que je vois la ligne de service. Oh non. Menterie. Ah bah non. Ah merde. Red point. Oh mon cul. Ah, yes. Bien joué. Yes. Ça se reproduira plus jamais. Alors, moi, j'ai appliqué sur Ra depuis tout à l'heure, mais je crois qu'on peut utiliser les autres boutons pour les lobes et tout, mais j'ai pas encore testé. Je vais essayer les autres boutons, là. Oh, ouf. Kratos qui marche sur une 360. Je sais pas qui c'est qui a fait la déco. Mais... Alors, si j'appuie sur X, par exemple, je vois pas la différence. Ouf. Mais non. Ok, je vais pas appuyer sur Y. Voilà. Ah, j'ai un point. Ah, pas mal. C'est sympa. Marrant. Et des petits trucs comme ça. Ah, bah non, il m'empêche, je m'avance. T'as appuyé sur lequel, le jaune? J'ai fait A depuis tout à l'heure, j'ai appuyé sur A. Ah, si t'appuies sur deux boutons à la fois, est-ce que tu te rappelles si ça fait des trucs comme dans Mario Tennis? Non. Genre les smash usés comme ça, il me semble. Ah ouais, vous faites un vrai match, quoi. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression que le set est quand même bloqué à 6 jeux. Mais t'as regardé les options? On a fait deux trucs rapidement, ouais. On a fait un truc standard. En fait, t'as pas regardé les options. Non. C'est super dangereux leur terrain. Imagine voilà, que le mec veut chercher une balle super loin. On m'a pas confié une mission. C'est clair. On t'a pas confié une mission. Non. D'accord, ok. Est-ce que ça veut aller se confesser ou pas? Pour l'instant, moi j'ai. Pour l'instant, non. Non, les confessions, c'est pour les petits joueurs. Mais si par exemple, on vous disait que ce serait bien que vous alliez vous confesser? Ah ouais. Par exemple, on vous forçait, par exemple. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord, c'est quoi? C'est pour pouvoir discuter des agrafes en secret? Non, c'est juste pour participer un petit peu. Voilà, ouais, pour pas qu'il y en ait que deux qui participent, quoi. Ah, d'accord, okay. En fait, pour pas qu'on le programme, forcé. Il repose que sur deux personnes. Voilà, c'est ça. Comme c'est souvent le cas sur cette chaîne, bon. Après, c'est okay. Mon avis. Mais tu fais bien de le donner. Mais oui. Bah, non, mais tu fais bien de le donner. Ah, putain. Regarde, t'as déjà les deux geekos. Voilà. Mais en fait, ce serait vraiment bien que vous alliez. Ah ouais, bah je vais y aller. Je finis. Les gens, par exemple, regardent. Je sauvegarde. Je finis. Juste les ignorer. Je finis mon set. Je peux pas sauvegarder là pour l'instant. Non, mais regarde, je prends la main, t'inquiète pas. Ah bah non, comme ça, moi j'apprends à jouer aussi. Vous inquiétez pas, les gars. Y a pas de problème. Y a aucun problème. T'inquiète pas, dessus, les gars. On gère. Donc, ok. C'est quoi? C'est toi qui sers. Bam! Oh, l'ace! Oh! Là, je vais te faire mon spécial.
attention. Ich. Et putain, voilà. La bande son, elle est flippante. Ouais, non, c'est juste l'impression que c'est le vide de l'âme. C'est post-apocalyptique. Ouais, putain, comment, yes, comment t'as oh fait ça, ma ville. Pourtant, je t'avais envoyé vraiment, elle était à 220 km/h. Non, mais le retour, le retour. Ah bon, t'es sur la ligne. Il y a une touche pour contester. Ah merde. Ouais, putain, j'avais touche McEnroe. Ouais, c'est ça. Oh, lob. Mais toi, tu sais comment on fait les coups bizarres. Lob, c'est avec le bouton bleu. D'accord. Ok. Ah merde. Ah. Oh là là, ah c'est bizarre. Il me semble que jaune c'est pour couper et ensuite évidemment ça respecte lorsque tu vas vers le haut, ah ouais, vers le bas. Ah mais au moment de frapper, ouais, pas après la frappe. À peu près en même temps. Et quand attends, tu veux bien. Tiens, bien sûr. Quand tu laisses appuyer. Essaye. Le service. C'est pas comme un. Oh, c'est pas comme un Jimmy Connors. Hein. Tu l'as envoyé super fort là par rapport à. Le rouge c'est le gros coup droit, donc si tu sers avec le rouge, ça tape très fort. Tu peux la choper comme ça. Ensuite, elle part parfois dans tous les sens. Les boutons de tranche servent à rien. Mais comment tu fais pour les frapper aussi vite? Je crie. Ou c'est une question de personnage? Ben non, rien. Ah ouais. Je crois qu'il faut que tu je t'ai fait un lob amorti. Le coup qui n'existe pas. T'aurais dû la laisser sortir. Ah bon? Là, ça n'a pas marché. Non, elle sortait pas. Elle sortait pas. Elle, si, si, avant, elle était sur la ligne. Non, non, elle sortait, elle sortait. Attends, mais sérieusement, tu tires tes trucs à 1000 km/h par rapport à ce que je faisais. Tu laisses appuyer un truc comme ça ou... Non. Non, 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 c'est juste que j'ai une science du timing. J'ai une pure notion du temps, en fait. Mais si on disait, par exemple, t'arrêtes de dire des conneries pendant 2 ans. Non, j'utilise le bouton rouge, Kevin. Non, mais moi aussi, j'utilisais le bouton rouge. Et là, tu fais juste appuyer une fois, une deuxième, et c'est tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, mais c'est une question de stade de perso, alors. Je pense pas, là. Bah, il me semble que ça partait aussi vite, là, moi, quand je tirais. Bah, vas-y, essaye. Ouais, ah, oui, t'as raison, oui. Pardon. Mais c'est vraiment dangereux, leur terre. Mais ouais, on est d'accord. Oh là là, le retour de bâtard. Si le mec veut chercher une balle super loin, mais il meurt. Tu meurs en fait. Bah non, mais à mon avis, tu vas pas. Mais quand tu vas jouer sur ce terrain là, tu prévois plein de balles. On peut pas tomber. Ah, mais il y a une touche pour plonger. Toutes les touches, je crois. Ah non, ouais, d'accord. Non, mais c'est que je sais pas, j'ai appuyé sur. Si tu cours sur une balle qui est assez loin, le mec va plonger. Je t'ai fait un passing shot. C'est vrai. Je t'ai fait un passing shot. C'est chaud. Ouais. Moi je prendrais la suite là, je sais pas qui c'est. Ah on se sert à rien, je peux frapper là-bas. T'as pris Tony. Ah on se sert la main, t'es quand même déçu. La déception, c'est... Ah bah le mec a perdu le match, toi. Elle se... Mais là genre il sort de l'écran, mais on sait ce qu'il va faire, parce que genre il y a quand même un précipice juste à côté. Il a pas grand. Ok, ok. On pourra pas faire des matchs aussi longs, hein, les gars. Bah, en ce cas-là, faudra que ce soit plus court. Bah, on pourra aller peut-être dans les options vite fait. Hein. Ouais, je vais regarder dans les options. Ouais, tiens, mais ouais, si tu, Thierry, si tu le connais, si tu peux mettre des matchs un peu plus courts pour le, alors, pour le tournoi. Déjà, peut-être. Hop. Non, c'est moi qui suis rentré dans les. Un, deux. T'as changé les options, t'es dedans ? Non, là je suis dedans. Alors, tu fais un P versus deux P. Ouais. Vas-y, Yann et Zou. Non, tu choisis le point de quoi ? Ah ouais. Un set match, ok. Ah ouais. Est-ce que va sur le tournoi ? Comment je fais ? Vas-y, choisis, on sort ça. Là, je peux reculer. Non, là, je peux plus. Vas-y, choisis, on s'en fout. Ok. Non, mais même un tournoi, je pense pas. Mais on a qu'à se fixer. Ouais, on va se fixer une limite. On se fait de toute façon le premier qui arrive à 3 jeux gagnants.
3 jeux gagnants. Ouais, je pense que c'est plutôt correct. 3 jeux gagnants, c'est correct. Ouais. 3 jeux gagnants, c'est correct. T'es sûr que... Tiens, va voir. 3 jeux gagnants, c'est pas un peu galère? Bah, pourquoi? 3 jeux gagnants, c'est 9 points. C'est 12 points. Faut que tu marques 12 points. Sauf en cas de tie-break. Sauf en cas de tie-break. Enfin, pas de tie-break, en fait. Vous avez remarqué un truc, quand même. C'est beau, parce qu'on ressort les vieilles consoles. Ouais. Tu ressors ta vieille console, tu sors tes vieux jeux. Ouais. Quand tu allumes ta console, tu peux jouer tout de suite parce qu'il n'y a pas de mise à jour de la console. Et quand tu mets ton jeu, tu le lances tout de suite parce qu'il n'y a pas de mise à jour du jeu et il n'y a pas non plus de conneries de chargement, d'abord, ça etc. marche pas, après tu l'enlèves, tu souffles. Et là, c'est marrant parce que tu vois, avec le tennis, Smash Tennis, le premier truc, le réflexe, lorsque tu veux sortir des menus options, c'est genre où est-ce qu'on quitte. Ouais. Mais en fait, tu quittes pas. Tu reset la console et tu relances. Oui, bien sûr. Ça, oui, c'est ça, vrai, ça va beaucoup plus vite. Donc toi, t'es ce genre de mec perso, en fait. Mais tu vraiment, tu vois, ah, t'es... Ouais, d'accord. Et en plus, c'est... Ah, c'est toi qui nettoie. Non, plus, moi, je nettoie pas la pièce. Hein. Alors, moi, ouais, je vote pour Emric. C'est toi qui dérange tout et jamais tu fais le ménage. Depuis qu'on est là, t'as jamais fait le ménage. T'as pas fait une seule fois. Pas une seule fois, t'as participé aux tâches ménagères. Moi, je propose qu'on règle ça sur Smash Bros. Mais tout de suite. C'est pas prévu, hein, Smash Bros. Non, on n'a pas prévu. On peut faire un match en plus, comme ça, pour départager. Bien sûr, mais faites ce que vous voulez. Pour départager, c'est-à-dire voter qui va nettoyer toute la pièce pendant toute la semaine. Bon, bah c'était... Qui c'est qui a gagné? Non, c'est Emric qui a gagné. C'est Emric, ouais. C'est Emric qui coup, va choisir. Après avoir joué à ça, tu as une idée de... Ah oui, contre qui tu vas vouloir jouer en première? Bah, Médoc, tu veux jouer contre moi? Ah ouais? Parce que tu penses que t'as vraiment une chance de gagner contre moi? C'est ce qui était sous-entendu, en fait. Super, j'espère que ça fume. Non, mais le truc, c'est que je pense que la plupart attends, des gens j'appelle vont choisir les pompiers Médoc, parce qu'il vient de te brûler. Moi, je vais chiller dans la piscine, ça m'intéresse même pas vos compétitions, tout ça. Là. Attends, est-ce que t'es en train de dire que pendant que nous, on est dans notre jacuzzi... Moi, je suis dans mon jacuzzi, exactement. Merci. Thierry, comment est-ce qu'on fait pour... Non, moi, je suis ce mec de télé-réalité, tu sais, qui dort. Comment est-ce qu'on fait pour... Attends, on s'est déjà tout paramétré, c'est bon. Non, mais on fait un reset, fait un reset. On peut pas reset, ça changera pas les... Non, parce que moi je veux pas un mic. Ouais, on reset. Ouais, on reset. Okay. Reset. C'est en 3 jeux alors ? 3 jeux gagnants, ouais. C'est vrai que c'est top. Ouais. 3 jeux gagnants. 3 jeux gagnants. Ouais. Donc jusqu'en 5 jeux. Ça fait long les matchs. C'est 3 jeux gagnants, ça peut être 3 jeux. Hein. Oui, ça peut être 3 jeux, mais ça va jusqu'à 5 quoi. Du coup, ça va jusqu'à 5. Ouais. Ok, d'accord. Max. Il y a max 5 matchs. Ça se dit ? Ouais, Tony Stark. C'est vraiment quoi, les trucs de base, genre du moment. Base, genre c'est une Tony catastrophe. Stark. Quel manque d'imagination. Alors que Brian, c'est original. Ouais, mais Brian, c'est fait. Eh, gazez pas sur les prénoms, c'est pas sympa. C'était juste choisi. Hommage à lui. Vous avez choisi quel cours, c'est sélect pour revenir. Attends, non, tu fais rond, rouge. Ça, rouge pour revenir. Non, ah merde, c'est pour sélectionner. Bon, bah c'est pas grave, c'est parti. On débute quand même comme ça. Cours rapide. Ah, mais il est cool celui-là. Il y a plus de précipice. Il y a des gens qui te chillent à côté. Ok. Alors, moi je suis qui? Tony. T'es en haut. Tu penses? T'es en haut. Je suis en haut, vas-y. Ouh, joli. C'est bien, il y a un échange direct. Eh, ça joue, hein. Ça joue. Eh, ouais, bien, oh. Putain. Oh, il est... Ouh, il a la faille. Oh, oh. Ah, Médoc a l'avantage psychologique, là. Il a fait le break d'entrée. J'ai on peut changer d'adversaire en cours de partie si on voit que ça chauffe un peu. Ça change des cas. Absolument pas. Ah, c'est elle dommage. Était dedans. Elle était dedans. Elle était dedans. Elle était tellement haute que c'en est hallucinant. Joli! Tu veux que je t'apporte une Ivan boisson sportive? Ah, ça a été beau. Oh, quel dommage. Elle était dedans. Gaffe à tes lignes. Je sais. Tu peux faire des effets, hein, tu peux compenser. Voilà.
Quoi? Non, 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 c'est pas à ce moment de la moment du jeu. Bon, à ce niveau de la compétition. Breakpoint. Ouh. Il est temps que Emeric rehausse un peu ton niveau de jeu. Je me donne du courage. Après GoldenEye, là, on passe déjà à un vrai jeu 2D. Là, ça devient compliqué. Ah bah, c'est ça. Vas-y, temporise. Oh, oh, joli. Oh, il y avait un problème de perspective aussi. Il est en 2D. Il y a du vent. Vous êtes en intérieur. C'est ma soeur qui est présente dans l'écran. Tu vois, à chercher des conneries à dire, tu finis par tout perdre. Oh, elle était limite, mais elle était sur la ligne, c'est bien. Donc t'as eu un petit boost de vitesse. Mais est-ce qu'il y a le Hawkeye ou je sais pas quoi, comment ils appellent ça, tu sais, les trucs, ils trouvent mille noms maintenant pour trouver des technologies qui juste disent est-ce que la balle elle est in ou out. Ah non, ils faisaient pas ça à l'époque. Ah, à l'époque non, ouais. Il y avait moins de marketing autour des jeux. C'est ça. Enfin là, je parlais en vrai tennis. Hein. Ah non, d'accord, ouais, je crois que tu parles en simulation avec les noms que IA donne à tous ces. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais, les smooth control, dual... Dual grip. À ce niveau de la compétition, Médoc. Attends, double faute ou pas double faute? J'assure. Ah, il joue la sécurité. J'assure, chaussure. Comment on dit jouer la sécurité en anglais déjà? Ah oui, c'est chier dessus. T'as pas le droit, Kevin. J'ai tout le droit. Ou l'échange est dur là. Ah, ça dure, ouais. Oh, mais non, ça s'essouffle. Deuce. Ex aequo. C'est pour ça que les matchs peuvent durer mille ans. Ah, il y a un mec, ça me déconcentre, ça me déconcentre. Et il y a un mec qui s'est éclaté la bouche. Non, c'est de la yes. Déconcentration du terrain. Ça fait partie du jeu. Mais non, oui. Mais ça prouve que le sol est bien ciré, tu vois déjà. On voit, il est brillant, il y a des reflets dessus. Ah, mais c'est ah vas-y, non. Oh non, oh, la manette. Zago, la manette. C'est mes manettes, ça me clique. On jette pas les manettes par terre. Ah, il râle! Ah, j'y crois pas! La manette de la tienne! Elle est tombée! Malencontreusement! Ah, taille, c'est du genre à rage-couter quoi! Le mec il rage au. Ah, c'est bon ça! Je protège la console pour pas tirer! Le mec rage au deuxième jeu! Deuxième jeu! À la deuxième épreuve, putain! Non, ça mais fait une demi-heure, je suis là! Tu vas faire quoi quand je vais t'éclater à Street 4? C'est pas mon stick, je m'en fous! Oh là là! Ah ouais, mais. Donc tu vas casser! C'est bon! Attends. Ce jeu, il m'a énervé. Attends. De toute façon, c'est vieux, ça m'énerve. Attends. Ah, d'accord, ok, ouais. Attends un peu, deux secondes, Emeric. Juste deux points. Attends, deux points. Je voulais dire un secret. Et tu peux tout remonter, Emeric. Mais Médoc, si tu lui mets la pression, il craque. Tu vois, je suis même pas allé la chercher, ça. Ouais. Bah, c'est balle de match, hein. Bah, ah, bah non. Ah, bah si. Ça, ah, mais alors c'est. Ah, bah c'est aller vite! Non, mais c'est en deux jeux gagnants alors! Ah, trois non, jeux non, gagnants! Non, non. C'est le troisième! Quoi, a... Ah, c'est le troisième! Ah, c'est ça! Ah, c'est merde, ça, qu'est-ce que je te dis! C'est ça, qu'est-ce que je te dis! Ouais, bon. Ouais, c'est ouais, elle était. Ah, c'est bien joué! Ouais. T'as sauvé une balle de match! Oh, elle était dehors celle-là! Ouais, sur la honnêtement, elle était dehors! Elle deux balles de match sauvées! J'utilise mon joker McEnroe parce que c'est vraiment. Il devrait vraiment y avoir une touche McEnroe. Ouais. Oh. Oh, ouais. Oh ouais! Allez! Allez! Donc, voilà. T'avais les Dodge à gagner! La... Voilà, donc tu. T'avais dit, je t'ai choisi toi parce que. Et derrière, après, je crois que c'était. Là, on non. Joue là. Avec je là, on joue tous les deux. Et Emeric, qui passe là, direct en petite finale. J'ai fait au hasard. C'est ouais. Tombé sur toi, on a fait la petite ravette. Attends, parce que le tennis, c'est quand même un sport où il y a du. Voilà. Il y a du respect, ouais, c'est vrai. Mais quoi que toi, t'es ce genre de mec qui est adepte du. Enfin, qui ne trouve rien à redire au service de. À la cuillère de change, je non, moi j'ai le service à la cuillère de change, je pense que ça fait partie du jeu. C'est un coup qui avait une dimension psychologique qui est très intéressante. Ouais, mais bon, d'accord. Non, n'importe quoi. J'avais hélicoptère pilote en plus. Tu vas mieux au défi de le prendre, je l'ai pris. Ouais, mais. J'avais une tête plus grosse, t'aurais pu carrément me faire des headshots. Ouais. Moi je me rappelle surtout de GoldenEye. Ouais, bon.
les gens se souviennent de... On a le droit de faire des confessionnaux, des confessionnales à deux. Bien sûr. Si on veut confesser sur, se confesser sur le massage aussi. Ou sinon, je vais prendre Darren parce que c'est... Je vais prendre Darren, tu veux quoi, Cheryl, comme ça on va dire... Attends, eux, ils ont pris... Vous avez pris Resort ou Lodge, déjà? On a pris tout premier. Okay. On essaye Beach Court, on voit. Ouais, vas-y. Donc en 3, hein, c'est ça? En 3, ouais. J'aime bien les graphismes. Je suis un mignon comme toi. Ouais, je crois que c'est moi qui commence à servir. Attends, juste deux secondes avant de, ouais, de voir. Bien sûr, juste... t'inquiète. Ok, c'est bon. Oh. Ace. Ah, Ace d'emblée. Je le sens mal. Je le sens mal, ce jeu. Mais ils sont partis en confession tous les deux. Mais oui, les mecs, ils regardent même pas le match. Ouh, j'ai voulu faire un truc trop chaud. Ouais. Et je l'ai payé direct. Ouh, double faute. Ah, mais c'est peut-être comme ça que je peux gagner, en fait. Non, parce que moi, je prends des risques. Ouais. En me concentrant bien pour t'envoyer des malédictions. Ah ouais. Ok. Oh, elle sort, elle sort, non. Elle sort. C'est dommage, j'aurais voulu la rattraper. Oh, nul. Attends, mais je... Oh là, attends, c'est un problème, ça. Faut que je te... 1-0. Le premier jeu, il est parti, mais comme ça. J'ai rien eu le temps de comprendre. Oh, faute, là, t'as tapé comme un bon. Mais comment je fais? Je sais même pas comment je contrôle la force du... Mais comment je fais pour frapper le moins loin? Tu vas vers le bas. Fois, quoi. Ah ouais, d'accord. Tu vas vers le bas, okay, en fait, okay. Tu contrôles un petit peu ton... La profondeur du coup. Il y a un terme pour le tennistique. Mais... Il aurait fallu peut-être que j'apprenne un peu plus. Mais attends, sérieusement, je vais s'appuyer sur bas là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est dramatique, c'est dramatique. J'ai laissé appuyer sur bas pendant tout le coup. Ah, je sais pas. Hein. Tu essayes de changer. Le rouge, c'est un coup fort. Donc si tu le maîtrises moins bien, essaye, voilà. D'accord. Boum. Bah ouais, mais voilà. Mais tu peux tout remonter. Je craquer. Peux, ouais. Je suis pas sûr. Oh, ah, non, aussi il était magnifique, donc je peux rien dire. Donc je me suis fait déboîter. C'était en deux, en 3, en fait. Non, parce qu'il avait fait remonter. En 2, je crois. Non, il avait fait en 3. Ouais, pourquoi 2 rounds gagnants? Moi, la voix m'a dit 2 rounds gagnants. Alors, fais gaffe, parce que ça sera pour les étapes finales. Ça sera pour les étapes finales. Elle est tombée des mains tout à l'heure. Elle était tombée des mains tout à l'heure. Elle glisse un peu, fais gaffe. D'accord, ok. T'es désavantagé en fait. Non, mais il te le dit pas. C'est bon? C'est bon. Il est où, Stéphane? Bien joué. Voilà. Non, mais ça y est, là je suis dans le jeu. Il s'est rendu compte que c'était une immense bêtise. France américaine. D'accord. Et que ma mère, peut-être 5 minutes dans sa vie, s'est dit, ah ouais. Pourquoi pas? C'est ça qui me ramène à Cassino. Et après, mon père est arrivé, il a fait. Non. D'accord. Bah, oh, magnifique! J'ai pris un magnifique. C'est pas nécessaire. Oh, j'aurais dû faire le contre-pied, je me suis emmerdé, je me suis emmêlé. Ah. Ça joue... Patch. Oh, sérieusement, ils existent ces coups? C'est trop beau. Fichal, là? Bah ouais, mais fait, apparemment ça t'intéresse pas trop, donc... Non, mais tu rigoles ou quoi? C'est qui? Oh là là, magnifique, magnifique. Je suis celui qui a perdu. C'est celui qui se fait exciter dans tous les sens, là? Ah, joli. Waouh, 3-0. Non, les deux premiers mais trucs... Mais Doc, je vais te doser. Ah, il a un coup droit. Hein. Le mec a un coup droit. Ah pardon, d'accord. Excuse-moi, attends, on sort. Ouais, j'ai pris John McClane et ça m'a réussi. John McClane, ouais. La pièce de cristal. C'est vrai que c'est peut-être pour ça que moi avec mon Darren. Moi j'ai pris Darren Cheryl. Donc c'est même pas le vrai. Ni la vraie. Darren Cheryl, c'est pas Darren. Donc si on sort en gagnant, on fait d'abord les perdants ou les gagnants? Bah logiquement c'est les perdants. Ah oui, ouais. Eh ben, allez vous mettre en place, c'est les gars. Vrai. Ah ouais, parce que on est là pour la compète, les gars, quand même. Faut pas oublier. Moi, je vais changer les manettes, par contre. Tu peux, vas-y, change. Prends celle-là, là-bas. Ah, mais elle déconne vraiment, là, donc, les cons? Non, non, mais, pas du si tout. Tu veux changer. Si, si. Non, non, mais tu veux changer.
Non, ça va, elle est un peu vieille. Ouais, non, mais c'est juste lui qui est toujours sur son même truc pourri depuis tout à l'heure, que juste ouais, c'est un mauvais joueur en fait. Pas du tout de mauvais soir. Après, c'est ton jeu, Thierry, c'est ça le truc. Non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Mais ouais. je le kiffe ce jeu. Ouais, bah c'est pas mal. Alors, je vais prendre. Okay. Il est tout simple, mais clairement, moi, ma référence en tennis, c'est la course 2 sur Mia. Jimmy Connors sur Super Nintendo. Ouais. Vraiment, j'adore ce jeu. Très, très, très fin. C'était très compliqué. Pas pour vraiment gérer tes effets avec une grande précision. C'est eux qui, pour la finale, qui ont la fin d'or. Enfin, il était top, quoi. Ensuite, il y a les Virtua Tennis. Nous, on fait un autre. Les deux premiers Virtua Tennis, c'est des petites tueries. Puis Underhand. J'ai beaucoup joué aussi sur Minecraft. Ouais. Et un peu sur PlayStation 2. Je sur Underhand, a priori, là, moi, je suis en bas. Ouais, c'est ça. Le jeu de tennis avec des personnages, donc c'est le mettre ça sur Amiga ou peut-être sur Amiga. En 3 défis de fer. Ouais, je pense que si tu l'avais. Il y en a eu un qui était. Oh, joli! Qui était très intéressant aussi, mais qui était assez mou. Et ouais. T'avais aussi celui qui était, je crois que c'est un jeu français. Où t'étais très très proche du corps du personnage. Il faudrait vraiment que je ressorte les. Ah, tu te souviens pas du nom? Parce que moi, je crois que c'est celui-là qui, en termes d'animation, à l'époque, c'était l'animation qui. L'animation, c'était super important. Et en termes d'animation, ce jeu de tennis en 3D fil de fer, il était juste impressionnant. Ouais. Il était juste impressionnant. Merde, comment ça Merde se... Faut... Tu appuies sur quelle touche pour les retours? Ça dépend. Non, Y. Non, vert, j'y touche jamais. Y. J'alterne entre A et B. Parce que B, je crois que c'est assez bien. C'est pas possible. On capte pas. Les Ming. Il n'y a pas de réseau. Ah, c'est dommage ça. À ce niveau de la compétition. Ah, on peut pas se le permettre. Ah, donc t'as trouvé ton. C'est deux jeux gagnants. c'est trois jeux gagnants pour les... Mais je crois que c'est pour les finales, c'était deux jeux gagnants. Oh non, c'est trois jeux gagnants tout le temps. D'accord. Ah oui, mais moi ça m'arrive aussi, non, c'est ce qui m'est arrivé. Il faut que tu fais avec B, par exemple. Pour la grande finale. Moins puissant et voilà. Ouais, du coup, je Ok. Mais c'est pour ça que moi je me suis fait doser tout à l'heure. Quand je faisais AA, je me prenais des. Enfin, je faisais des fautes. Et du coup, avec B, bah, le mec il te fait un retour de bâtard. Ok. J'ai perdu genre. Ok. Trop de points. Ouh. Oh là. Qui est le blondier? Ok, c'est moi. Donc, c'est, il a gagné tout le. Donc là, un jeu partout, c'est ça, ouais. Ah! Parce que juste avant, il y avait eu 3-0, c'est pour ça que. Challenge. Là, vous avez chacun gagné vos services? Ouais. Non, on a chacun fait le bon. D'accord. Mais oui, parce que honnêtement, j'arrive pas à faire un service rapide dans le cours. Sur Jimmy Connors, vous voyez où la balle allait atterrir. Là, tu vois, pourtant, j'ai vraiment laissé appuyer sur haut tout le temps, quoi. Donc, je comprends pas. Là, je suis avec B, là. Donc, si je gagne celui-ci, j'ai gagné? Et t'as aussi, en fait, au moment où tu frappes la balle, hein, il faut qu'elle soit à peu près à mi-distance. Oui, j'imagine. Ouais. C'est dommage, t'as pu smash. Ah, mais. Oh, j'ai pas le timing du tout. Lob. Faut que tu avances dans le cours et paf. Ouais, classique. Ouais. Steve a l'avantage, manifestement. Mais c'est toi, Steve et Mike? Ouais. Tu sais que t'as failli taper comme ça? Presque. Ouh, t'aurais dû la laisser sortir. Ah, mais en espoir. En e-sport. Joli. À un moment donné, le long de la ligne, tu vois. Eh, mais il y a une voix qui donne le score. Ah, bah oui. Ouais, carrément. C'est un jeu quoi, mais ça va se rendre. Non, faut pas que j'essaye de mettre des fonds de cours comme ça. T'as carrément shooté un. C'est quoi, c'est un lapin? Un chat, un lapin. C'est un tanuki. Un lapin noir, sérieusement. C'est un tanuki, on est au Japon. Oh! Ouh, non, joli. Pourquoi joli. J'ai voulu laisser ça? Non. Bien joué, Steve! Et là, du coup, t'as gagné, je crois. Ouais. Ok. Bon, bah, dernier jeu de tennis. Bon, dans le sens où c'est un peu un jeu de merde, ça me va. Oh là là, c'est un classique. C'est Namco. Ouais.
Moi je suis plutôt top spin. Moi je kiffe le côté genre tu relances ta partie en appuyant sur le bouton reset. Ouais, non, mais et t'as l'image qui réapparaît immédiatement. Moi, je trouve ça trop beau. C'est toi, hein. Alors moi je vais reprendre. Jaune. Et moi je vais reprendre Tony. Bah, vas-y, c'est logique. Est-ce que tu... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mordor, Mordor. Il est où? Mordor? Ouais. C'est le plus monde paye. C'est pas ça. Non, ça va être compliqué. Le Mountain, tu veux? C'est celui qui perd et se jette de là. D'accord. C'est vrai qu'à la fin, tu le vois partir de l'écran. Je te préviens, je vais faire du bruit à chacun de mes services. Oh, tu peux y aller, rien ne me déconcentre. Dis-moi juste, je suis où? T'es en bas. Mytho. Mytho, putain. Tu viens de servir, là. Oh, non, non. Non. Je l'étais là. Oh, elle peut. Non! Ah ouais, normal. Mais non, bah non. Tout pourri. Ah non, j'ai pris le mauvais côté. Oh, t'as failli tomber, Mini. Hein. Ah, si tu tombes, c'est la fin de la partie. Ouais. D'accord. Je sais, c'est pour ça. Oh, bientôt. Ah là, je me mets là. Hein. Faut que tu déplaces ton perso, sinon tu arriveras pas. T'inquiète pas. Les mind games. Oh, c'est quoi cet amorti de merde? Oh, c'est une... Comment il s'appelle? Ça sort tellement. Et là, c'est la balle de jeu. Oh! Mais ouais, mais il te tire dessus. Le truc, c'est qu'il est anti-jeu. T'avances d'une base. Ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. Oula! Putain, bien joué. Oh. Ok, c'est parti. On dirait Biff Tannen. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Okay. Non! Oh là 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 là! C'est la honte du tennis. À 2 mètres. Masculin. La honte tennistique. Oh merde! Ah, t'as pas compris. Juste au bout d'un moment, si vous pouviez éviter de rester dans ce délire de avantage-égalité. Il y a des matchs qui ont duré des jours entiers comme ça. Le truc, la clé, c'est de varier ses services. Non, mais c'est très très important. Regarde-moi mes deux quand je parle. Hey, non, là non, non. Attends, il est pour ça, moi le jeu là ou c'est. Là, le jeu, ouais, tu vois. Yes. Ah, c'est pas fini. Bah, non. Mais là, du coup, c'est le vrai équivalent du service à la cuillère. Chaque service. Oh, Ace. C'est un bug. Oh. C'est le vent quand tu es sur cette. Deuxième Ace Federer sort de cette palette. Le FedEx. Oh, ouais, troisième Ace, je plante presque. Oh, je plante. White gay, white blanco. J'ai eu un moment d'absence. T'as pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je t'explique, hein. Oh okay. Le game à Thierry, c'est le game à Thierry. Non. Paf. Bah ouais, mais tu vois. Là, on était tous enthousiastes. Et ok. Et non. Pourquoi voilà avoir fait ça la vérité. J'ai cherché la facilité. Oh, voilà, le retour vers le futur. Ouais, enfin, je remonte tout ça. Quand j'aurai gagné. C'est mal parti. C'est compliqué, là, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est le jeu de la gagne. Là, c'est mental, faut... Voilà. Ah, mais là, c'est la peur de gagner au bout d'un moment. Là, c'est la peur de gagner au bout d'un moment. C'est très français, ça, la peur de gagner en tennis. C'est vrai. Ah, c'est pas sûr.
Non, ah. Elle était pas dehors, mais tranquille. Un peu trop de gourmandise dans ton service, Mehdi, si je puis dire. Mais moi, parce que moi, je fais des services gourmands. Mais parce que t'es un goulu. T'es un petit goulu. Oh. Bah non, ah. Mais c'est quoi ces retours de bâtard? Ah, bah alors, t'étais pas sur la balle là. Il y a eu un genre de petite balade, de petite ritournelle vers le côté gauche, et puis après d'un coup, non, c'était joli. Jeu décisif. Voilà. Non. Par contre, cette balle rouge, je suis pas sûr qu'elle soit tout à fait réglementaire. Elle est pas homologuée. Ouais. Et c'est Thierry. Oh, non, bah, elle sort, mais on voit la marque. Allez, on voit carrément la marque. Ah, tu pourras avoir le replay là. Ouais, tu pourras avoir le replay, bah, tu l'avais au ralenti, au microscope. C'était carrément sur la ligne. Ouais, c'était carrément sur la ligne. Oh, et ça a servi pendant que ça parlait encore. C'est un petit peu des techniques. Pourquoi je fais la même ? C'est des techniques de. Bah, c'est des techniques de Thierry. Oh ! Balle de match ! Balle de match, j'ai deux balles de match. Comment gères-tu cette tension, Thierry ? Comme ça. Ah, comme ça. Et... Mais c'est... après, les grands joueurs, c'est ceux qui savent juste être forts dans les points importants, tu vois. Ouh ça, bah voilà, deux balles de match sauvées. Ces mecs qui te rattrapent les balles de match, c'est eux les vrais grands joueurs, en fait. Donc là, il s'agit... Oh là là, Mehdi. Balle de match, balle de match. Ressaisis-toi maintenant, là. Oh, mais non, faut arrêter de viser les... Yes. Ça temporise avec un petit coup de pute. Non, mais non, mais c'est faux. Voilà. Oh là là. La peur de gagner. Oh yes. Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Bah oui. Mais Médoc, faut serrer la main quand même. Non. Bah oui, mais t'es pas là sur les points importants. T'as tout ce qu'il faut pour gagner. T'as tout ce qu'il faut pour gagner, mais t'es pas là sur les points importants. Excusez-moi, c'est dommage. Aller au confessionnel pour gloser un peu. Vas-y, bah, ouais, tu peux. C'est dommage.